Moi, j'ai eu envie d'écrire ce livre d'abord parce que j'ai beaucoup de chance, parce que je vis une histoire merveilleuse avec mon mari. Et en même temps, c'est quelque chose qui doit se construire tous les jours. Mais nous avons eu de la chance, c'est pas toi qui as eu de la chance. Oh, merci, ah oui, mon amour. Nous avons eu de la chance. Mais aussi, j'ai pensé à toutes celles qui n'étaient peut-être pas dans ce cas de figure-là et à qui ça peut arriver. C'est l'idée que pour avoir un couple qui dure et qui vive dans l'harmonie, il y a des tas de choses à faire, qu'il ne faut pas se laisser aller. Et puis en même temps, c'est l'idée de mettre en scène comme ça un peu une histoire de drôlerie justement autour de l'âge. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être au gala? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Je trouve que ça, c'est bien parce que ça correspond à l'esprit du livre qui doit être à la fois glamour, chic, concernant et puis en même temps avec un peu voilà, de recul et de un peu de rigolade aussi. Ah oui, un peu beaucoup de rigolade. Oui. Toi, c'est pas gala ton truc, toi c'est plutôt la vie de l'auto. Oui. Mais il n'y a, y a pas de rendez-vous sur les livres d'amour dans la vie de l'auto. Non. Ça non. Reste, c'est une rubrique qui reste à inventer. Il y a des photos de mariage. C'est vrai? Oui. Et t'as mis les photos de notre mariage dans la vie de l'auto? Non. Pourquoi? Oh, parce que c'est très ringard. Notre mariage? Non, les photos dans la vie de l'auto. J'ai eu peur, t'es passé à deux doigts de la faute, dis donc.